pense juste qu'il est complètement... Il n'arrive pas à s'en sortir. Est-ce qu'il disait ça finira mal? Non, mais je pense qu'il n'en pense pas, moi. On fait ce qu'on a envie de faire. Moi, à la fin, j'ai senti que j'étais trop, je suis partie. Juste avant, on avait déjà fait une balade en voiture. Et qui conduisait? Cher. Oui, on était tous défoncés. On allait à la pharmacie, mais moi, je suis restée dans la voiture. Personne ne lui disait « c'est dangereux, tu ne devrais pas conduire ». Tout le monde était trop défoncé pour dire ce genre de choses. Vous pensez aux victimes? Oui, beaucoup. Je pense que déjà, juste se piquer mutuellement, c'est se mettre en danger. Bien sûr. Clairement. Sauf que j'ai déjà fait des overdoses. Et lui aussi. Les personnes qui aiment le danger aiment bien le fréquenter aussi. Il dit parfois qu'il veut s'en sortir, qu'il veut faire autre chose. Oui, tout à fait, oui. Ouais. On avait même une fois envisagé de faire une cure ensemble. Ouais. Finalement, j'y suis allé seul.